porte-drapeau, minute de silence, écoute des hymnes françaises et américaines. Il ne s'agit pas d'un recueillement traditionnel, mais d'un hommage à l'amitié franco-américaine que la ville de Chaumont a célébré ce lundi 27 mai, le Memorial Day. C'est ainsi que s'appelle ce jour. Ne figurant pas au calendrier officiel, cet événement reste tout de même important pour la ville. Ce rendez-vous a lieu devant ce monument, une statue existant depuis 1923. Alors la ville de Chaumont est une des seules villes de France qui peut faire le Memorial Day. Alors c'est pour une raison toute simple, c'est qu'on a un énorme passé très riche avec les États-Unis d'Amérique, notamment parce que les États-Unis ont choisi la ville de Chaumont comme leur grand quartier général durant la Première Guerre mondiale, à partir de 1917. C'est important pour nous, non seulement pour célébrer le passé de la ville de Chaumont avec les États-Unis d'Amérique, on est encore actuellement jumelé avec une ville aux États-Unis, qui est d'ailleurs venue l'année dernière pour célébrer le centenaire de ce monument, et puis aussi, bah, pas seulement pour nous, mais pour tous les soldats américains qui sont morts aux côtés des soldats français durant plusieurs conflits mondiaux, notamment durant la Première Guerre mondiale, puisque c'est là que tout a démarré, mais aussi durant tous les conflits qu'on a pu connaître à leur côté.